France 2, avec la sécurité routière présente, Jamy vous explique, roulez vite, un mauvais calcul. Sur route mouillée, la distance de freinage est multipliée par 2. Je m'explique. Sur la route, la gomme d'un pneu se déforme au contact des aspérités du sol. Mais ce n'est pas tout. Au passage de la roue, des liaisons moléculaires se créent entre le pneu et la route. Ces deux phénomènes participent à la bonne adhérence du pneu à la route. Seulement en cas de pluie, une légère pellicule d'eau se forme entre la route et le pneu. Les liaisons sont brisées et l'adhérence diminue. Conséquence, la distance de freinage est multipliée par 2. En roulant à 80 km/h, sans compter le temps de réaction du conducteur, une voiture met en moyenne 35 mètres pour s'arrêter sur route sèche et 70 sur route mouillée. Une bonne raison pour adapter sa vitesse et ses distances de sécurité. C'était Jamy vous explique.